D'être mobile, de retrouver une certaine autonomie. Là, le fait qu'il soit cloué, chaise ou lit, tout ça, c'est vrai que ça pose des questions. Vous me dites quand vous êtes prêt, monsieur. Mettez cette main directement ici, là. Voilà. Et on peut voir, c'est bon. Même si on sait que son état de santé n'ira pas forcément en s'améliorant. Mais déjà, le fait d'avoir perdu la mobilité, ça joue sur son moral, donc ça va jouer sur tous les soins à côté. Ça va? Oui, oui. On va vous mettre dans la chambre. Tu feras meilleur? Ouais. Moi, je suis dans son optique. Mais moi, dans sa situation, si je ne peux pas me subvenir à moi-même, si je ne peux pas me laver moi-même, pour moi, c'est terminé. Je ne veux pas continuer. Mon mari est pareil. Je veux dire, c'est vrai qu'on arrive à un stade où c'était quelqu'un qui bougeait quand même beaucoup. Il se rend compte, c'est ce que je disais, malheureusement, il a sa tête. J'aurais préféré, c'est méchant, mais bon, j'aurais préféré à la limite, quand il a fait son AVC, qu'il perde un peu la tête. Il se rendrait moins compte de ce qu'il vit, en fait. Là, il se rend compte qu'il n'a plus de vie. Il est dans cette optique de demander la sédation. Il la demande de plus en plus, vu son état qui s'aggrave. Au bout d'un moment, franchement, on est obligé quasiment de le laver, il a une couche parce qu'il faut quand même faire attention. C'est que des choses qu'il faut voir, qui pour moi sont aussi difficiles, beaucoup moins que pour lui. On a 14 marches pour aller à la salle de bain. On est en location, on n'a aucune possibilité d'avoir ne serait-ce qu'une douche au rez-de-chaussée. Moi, pour moi, hein, ce serait pour moi, je me dis, c'est plus une vie. Voilà. C'est ce que je leur ai dit. Quoi que vous nous disiez, il faut respecter sa décision à lui. Je veux dire, il faut arriver à... Parce qu'après, je lui dis, s'il rentre sur une souffrance morale, c'est pas bon non plus, quoi, je veux dire, pour moi. Alors, dans vos différents questionnements, il y a plein d'éléments. Je vais essayer de répondre ce qui a attiré mon oreille. Alors, la première chose, c'est que sa fracture n'a rien à voir avec son cancer. Oui. Ça, c'est un truc qui est important de savoir. C'est-à-dire, c'est un événement intercurrent. C'est un truc qui n'a rien à voir avec le cancer. À son âge, qu'on soit malade ou non, récupérer d'une fracture du col du fémur prend un peu de temps. Donc, l'idée, c'est de lui faire retrouver la marche, ce qui n'est pas un objectif inaccessible. Ensuite, le sujet que vous avez évoqué là concernant la sédation, alors il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet-là. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est comme ça que ça s'appelle dans la loi, nécessite qu'il y ait un respect de trois piliers. Le premier pilier, c'est la maladie grave et incurable. La deuxième, c'est une souffrance réfractaire à tout traitement, jugé insupportable par la personne. Et le troisième pilier, c'est fin de vie proche. Là, à l'heure actuelle, maintenant, on n'est pas du tout dans un cadre de fin de vie proche. Donc si à l'heure actuelle, on faisait quelque chose qui ferait hâter le décès de M. Brunet, ça s'appellerait de l'euthanasie, et ça, on le fait pas. Et moi, je suis contente de vous entendre dire ça, parce que quand on l'écoute, enfin, pour lui, les trois piliers sont réunis. Mais alors que nous, on ne le voit pas du tout comme ça, on n'a pas du tout la même perception. Alors c'est vrai qu'on n'a pas ses souffrances et on n'a pas sa maladie. C'est vrai. Pour autant, il y a plein de gens qui sont plus impotents, plus dépendants et qui vivent plus ou moins bien, mais
Enfin, je veux dire, il y a encore des choses à faire. Et puis, bah, qu'il ait quand même survécu à une anesthésie générale, enfin, pour moi, c'est qu'il a quand même des ressources et une force. Oui, mais ah oui. C'est vrai. Non, mais surtout, on ne voit pas vraiment comme quelqu'un de très malade. Hein. Pas au point de mourir, quoi. C'est pas tout de suite. Ouais. Il y a encore plein de bons moments à vivre. Tout à fait. Oui, non, mais je suis d'accord. Il ne faut pas s'en sortir. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour. Je viens me présenter. On est une équipe de bénévoles qui appartenons au service et on passe voir si les gens veulent un moment de présence. On fait connaissance ? Voilà. Alors je prends le tabouret. Prenez le tabouret. Ça vous gêne pas ? Hop. Vous connaissez, vous y étiez déjà dans cette chambre-là ? Vous étiez côté jardin, si je puis dire ? La même chambre. La même chambre, tiens. Même numéro. Donc, vous avez retrouvé vos... Donc, vous retrouvez vos marques. C'est venu la première fois, c'est pour un AVC, au juillet, août, je suis ici. Et là, j'ai connu ces murs qui a cassé. Ça fait plus, ça me fait mal, pas vraiment encore, mais moralement, c'est dur. Pour que le moral va tenir au... Là, vous êtes soulagé au point de vue douleur ? Ça commence, là. Ça commence ? Ouais. Là, c'est pris en charge. Ouais. Le problème, c'est que je n'ai plus de ma tête. Ouais. Donc, toute votre conscience. Je me rends compte de ma situation. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que... On se rend compte, on se dit, bah, écoute, tu... Ça ne pourra rien. Sachant que l'issue sera la même. Est-ce que vous êtes angoissé ? Je dis haut, je dis bas. Oui. Mais c'est logique, hein. Oui, 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 oh, bah, tout à fait. Non, pas palliatif, hein, c'est que c'est bien. Voilà. Mais. C'est pas évident, c'est pas évident. Un sentiment d'injustice, hein, quand même. Oui. Hein ? Sur cette jambe, d'accord ? Celle-ci, ouais. Ramenez-la un petit peu. Vous êtes prêts ? Penchez-vous bien en avant. Allez, un, on y va. Allez, deux, vous allez y arriver. Allez, 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 forcez sur votre jambe. L'autre. L'autre, elle s'en va. Voilà. Soufflez. Oui, c'est bien. Prenez bien votre appui. Essayez de ramener votre jambe. Allez, monsieur Brunet, vous allez y arriver. Forcez bien sur vos bras. Allez, on se décale. Si tu peux. Voilà, c'est bien. Allez-y, prenez le temps. Ouais. C'est compliqué, hein. Là, ce que vous décrivez, c'est cet impact sur vos proches qui est pour vous difficile à vivre. Ouais. Notamment, le fait de la perte d'autonomie qui se reporte sur votre femme rend les choses peut-être complexes à domicile. C'est un petit peu ça que vous exprimez. Voilà. Ouais. Si nous arrivions à diminuer un peu cet état de dépendance, à vous faire retrouver un peu plus de mobilité ou d'aisance, est-ce que vous pensez que ça changerait fondamentalement votre appréciation de votre qualité de vie, ou est-ce que... Oui. Ouais. Mon souci principal, ouais, c'est ça, moi, les jambes. Quoi. Mais donc, cette jambe-là, elle a été opérée, on est bien d'accord. Ouais. Hein, et donc, il faut faire de la rééducation. Ça ne revient pas tout seul. Non, je comprends. Ça vient se surajouter à une situation qui n'est déjà pas évidente, voilà, pour vous. Mais vous avez des moments de vie qui sont encore là. Oui, oui. Hein, et des moments où c'est difficile et où on est là pour vous accompagner aussi. Nous sommes là pour vous soutenir, pour faire en sorte que bah, vous puissiez retrouver des moments de vie positifs. Pouvoir être autonome dans la maison. Ouais, ok. C'est toujours. Moi, sincèrement, je pense que c'est réalisable de vous permettre... Il ne faut pas penser pour être sûr. Je pense que c'est possible. Pour M. Brunet... Il est devenu un poids pour ses proches, et ça, c'est pour lui difficile à concevoir. Cette demande d'euthanasie qui, en fait, est liée à la souffrance globale que le patient ressent, quand on arrive à apaiser les éléments de souffrance les uns après les autres, le physique, le psychologique, le moral, c'est très difficile d'y toucher, mais le socio-familial, en mettant en place des aides et en accompagnant les choses, bah, voilà, cette souffrance diminue et la demande de ne plus vivre finit par s'étioler et par disparaître. Les gens
qui sont hospitalisés dans le service ne peuvent pas être guéris, ça signifie pas qu'ils ne peuvent pas être soignés. On peut faire des tas de choses pour eux. Très souvent, le premier jour, les personnes vont nous dire « mais on ne peut plus rien faire, quoi ». Mais on peut faire plein de choses, énormément de choses. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est guérir la pathologie dont vous êtes atteint ou atteinte. Ça, on ne peut pas. Mais une fois que ces mots-là sont prononcés, c'est-à-dire la guérison n'est pas possible, ça ouvre un autre champ de possible. Ça ouvre une autre perspective. Je réfléchis. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? 77. 77? Ouais. J'étais très bien jusqu'à 75 ans. Jusqu'à 75, c'était bien? Ouais. Et après, qu'est-ce qui vous est arrivé, hein? Madame Chevalier, elle a une maladie qui ne se soigne pas. Ça s'appelle une maladie neuroévolutive, donc c'est une maladie qui progressivement handicape les personnes jusqu'à faire que les gens ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus parler, ne peuvent plus avaler leur salive. Et la perte d'autonomie ne se fait pas à la même vitesse pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont perdre la parole d'abord, d'autres qui vont perdre la motricité d'abord, d'autres qui vont avoir de grosses difficultés à avaler, d'autres pas. La maladie de Charcot? Là, elle prend le chemin de rentrer à la maison dans un avenir très proche. Le facteur qui fait qu'on garde pour l'instant Madame Chevalier, c'est que son mari est tellement épuisé qu'il n'est plus en mesure de jouer son rôle d'aidant. Un rôle qui est très important pour lui, il nous l'a dit plein de fois. Sauf que là, il est dans un état d'épuisement qui ne lui permet pas de jouer son rôle d'aidant. Donc on va attendre qu'il nous dise « Je suis prêt ». Bonjour Madame Chevalier. Vous avez gribouillé sur le présentateur télé, c'est vous qui avez fait ça? Ouais. Comment vous allez aujourd'hui, madame Chevalier? Oui, je mal. Oui. Pas dans les jambes. Dans les jambes. Est-ce que c'est les douleurs que vous avez déjà eues? Oui. Oui, les douleurs de glissière dans les jambes, là, comme vous avez eu? Oui. J'ai pas sonné. C'est important que vous soigniez quand vous avez mal? À chaque fois que les dames sont venues, moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de déranger. Alors elle m'a demandé si ça allait. Je dis oui. Ah ben non, faut pas faire ça, oui. Ah ben non, faut coopérer avec nous un peu là. Franchement. Ouais. Alors, vous savez, Mme Chevalier, il y a personne qui nous force à venir travailler là. Ouais. On le fait tous volontiers. Oui. Le cœur de notre métier, c'est l'apaisement, sous toutes ses formes. L'apaisement de la souffrance physique, l'apaisement de la souffrance psychologique, l'apaisement de la souffrance existentielle. Il y a un patient la semaine dernière qui m'a dit « Alors en fait, votre objectif en soins palliatifs, c'est de faire en sorte que je sois le mieux possible, le plus longtemps possible. » Ben voilà, ça résume très bien l'idée que je me fais de mon travail, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient le plus confortable possible, le plus longtemps possible. Yep. Ça suffit? Ouais. Moulinette. Qu'elles sont propres. Ah, ça y est, je les ai nettoyées, ouais, elles sont propres. Hop. Et les cheveux? Attends. Et un petit peu de rasoir. C'est pas de temps, c'est épilé plutôt. Non? Tiens, je te laisse faire. Mais oui, bien sûr. Pourquoi moi? Hein? L'expérience. C'est formidable. Les cheveux, est-ce qu'ils sont du bon côté? Oui. C'est bon? Voilà. Ça fait moins mémé. Ça fait moins mémé. Ça fait pas mémé. Très bien comme ça. Non.
Est-ce qu'il manque quelque chose? Tout est bon. Aujourd'hui, on vous comprend très bien, hein? Ouais, ben ça dépend des jours. J'ai des craintes, pas pour la journée, mais pour la nuit, parce que je vais me retrouver seul, comme c'est d'habitude, vrai. Quoi, mais je sais pas si elle vous appelle souvent la nuit, je sais pas ce qui se passe ici, la nuit. Non, la nuit, elle appelle pas souvent. Elle ne réclame pas, en tout cas, de besoin de notre aide, quoi. Ok. Bon, à côté de ça, je serais content de la voir revenir, hein, mais chez moi. Mais pour moi, je sais que malgré les aides, ça va être du stress. Oui, ce qui va revenir. Oui, hein, c'est vrai. Que... Mais je sais bien que tout ça ne va pas s'arranger. Exactement. Mais je trouve que les choses vont vite quand même pour mon épouse. Mais tout vous arrive dans la, en pleine face, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on parle succession, on parle incinération, on parle. Et c'est ce qui me perturbe moi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qui vous perturbe? Ben, je ne veux pas la voir partir. C'est compliqué. On se réquente depuis l'âge de 10 ans. Donc ça fera 65 ans. Je ne suis pas passé du jour au lendemain comme ça, tout seul. Je ne sais pas comment je serai après. Parce que moi, aujourd'hui, on nous accompagne, mais après, je ne sais pas si on m'accompagnera. Bon, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais enfin, c'est compliqué. Pour vous, je ne vous saoulais pas. Le fait d'évoquer le décès de votre épouse, c'est impérativement nécessaire, au sens où plus vous aurez fait de choses avant, plus ce sera facile de prendre les décisions pendant et après. Et plus vous aurez planifié ensemble... Bah, plus vous suivrez ce qui vous correspond à tous les deux, entre guillemets. C'est-à-dire que vous vous retrouverez à être l'acteur de sa volonté, on va dire ça comme ça. Qui, je pense, pourra être une grande aide pour vous. Vous parlez de l'après aussi pour vous. Alors, oui. Nous resterons présents aussi pour vous. Notre psychologue a l'habitude d'appeler les personnes endeuillées quelques semaines après. Si vous voulez revenir dans le service après le décès de votre épouse, vous serez le bienvenu. Enfin, c'est gentil, merci. L'accompagnement ne s'arrête pas le jour du décès. Bon, c'est plutôt égoïste, hein, parce que. Mais j'y pense aussi. J'y pense aussi. Allez, voilà. Alors, on va tourner comme ça. Hop, tu peux. Ouvrir. Voilà. Hop, je vais le mettre de l'autre côté. Ça va, monsieur Brunet, comme ça? Ça va pour vous? Alors, il y a le fauteuil juste derrière, hein? Voilà, donc laissez-vous aller, laissez-vous porter. Voilà, tout va bien. Vous êtes bien au fond, là? Ouais. Oui, ça va? Ça vous va? Et voilà, l'atterrissage est réussi. On s'est rencontrés par hasard. Il venait chercher le pain à la boulangerie de mes parents. Et puis j'étais avec ma meilleure amie. Donc j'ai ouvert la porte, je l'ai servi. J'ai dit à ma copine, quand il est parti, tu vois, lui, c'est celui que je vais épouser. Donc elle m'a rigolé au nez, mais j'ai dit non, puis il est revenu. On va quand même fignoler un petit peu. Et à 17 ans, on s'est marié. 19 ans, on avait deux enfants. On s'est marié en 76, donc ça fait 46 ans passés. Hein. Ben, c'est ça, c'est une vie. Oui, oui. Le ministère avance qu'elle ne répondait à aucun danger. Nous avons constaté le rayonnement des têtes nucléaires TN-75 en 1996, que nous avions sous-estimé. Il travaillait sur les têtes nucléaires à Saint-Christol, au plateau d'Albion. Il était à proximité de l'ogive de la tête nucléaire, de la fusée. Et ils n'avaient pas de dosimètre. Et ça leur avait été refusé parce que le taux de radioactivité était trop fort. Tous les jours, il travaillait là-bas. Il y allait des fois 3-4 fois dans la journée. Bah, de toute façon, c'était le boulot. Il fallait faire le boulot. Hein. Il ne pouvait pas refuser. Donc, c'était comme ça. Il y a eu tellement de gens qui ont travaillé dessus, qui ont eu des cancers, que c'est... Mais ils sont tellement partis jeunes, ils sont morts jeunes en plus, tous, quoi. Si on a réchauffé un peu les mains, les mains toujours un petit peu froides, monsieur. Puis vous respirez tranquillement, hein, vous vous détendez. Vous pouvez fermer les yeux, écouter la musique et penser à quelque chose qui vous plaît. Un endroit agréable, hein.
Le début, c'est tellement vieux, il y a plus de 10 ans de ça. Ben, ils ont fait des examens, il n'allait pas bien et tout. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait des ganglions entre les poumons. Et ils ont enlevé 28 ganglions. Et là, ils lui ont dit, c'est un cancer qui est très rare. Donc, ils se sont concertés et ils ont lancé un protocole, on va dire, un peu au hasard. On est parti donc du sud en sachant ici qu'il allait partir à Bordeaux se faire enlever une grande partie du poumon gauche. Après l'opération, il y a eu chimio, il a eu perte des cheveux. Alors ça, c'était le pire, je crois, pour Bertrand. Et puis après, on vit dans l'attente à chaque fois de revoir un médecin, à chaque fois qu'il y a des examens, prise de sang, scanner et tout ça, d'avoir le résultat. Soit on nous dit oh, c'est impeccable, voilà, tout va bien, jusqu'au jour où vous faites un autre scanner de contrôle, vous arrivez dans le cabinet du médecin et qui vous dit il y a quelque chose. Donc ensuite on relance de la chimio, de l'immunothérapie, et puis là dernièrement l'oncologue elle nous a dit maintenant vu que l'immunothérapie lui avait créé ces énormes problèmes intestinaux, elle a dit, on arrête tout. Voilà, il n'y a plus rien, on ne fait plus rien. Donc on laisse faire. Ça va peut-être durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 semaines, on ne sait pas. Mais on laisse faire. Ça va, monsieur Brunet ? Ouais, ça va. Ça fait du bien. Vous avez réussi à lâcher prise un petit peu ? Ouais, ouais. On a l'impression que le temps s'arrête quand c'est comme ça. Même pour nous, hein ? Ouais, ouais. Même pour nous, c'est un bon moment, hein? Je peux pas dire à Bertrand que ça va pas. Et tout le monde me dit, il faut lui en parler. Et moi, je peux pas. Parce que je sais qu'il est dans un état d'esprit vert à moitié vide. Et si je lui rajoute encore un truc par-dessus, il va encore plus cogiter, il va encore plus... Le verre, il va être vide complètement, là. Alors là, il sera plus à moitié. Vous n'avez pas le droit de flancher devant lui? Non. Madame Brunet a de grosses difficultés à exprimer à son mari qu'elle est fatiguée. Et elle est avec lui tout le temps. Elle vient tous les jours, elle reste plusieurs heures tous les jours, et à la maison, c'était elle son aidante principale, donc c'était elle qui s'occupait de lui tout le temps. Et donc, elle est très très fatiguée, ça fait depuis avant-hier qu'on commence à lui dire qu'il faut qu'elle... Peut-être elle explique à son mari tout ça, que c'est difficile pour elle, et qu'elle a peut-être besoin de prendre un jour où elle vient pas, ou... voilà. De se reposer davantage, je ne sais quoi, mais elle n'arrive pas à évoquer le sujet avec lui. Comment vous la trouvez, votre épouse ? Elle est dure à cerner parce que... Pourquoi ? Même si elle a des pensées négatives, ouais. Elle ne dira pas. D'accord. Elle ne s'exprime pas ? Ce serait peut-être pas mal que vous en parliez ouvertement avec elle. C'est pas évident non plus. Ah, mais que ce soit difficile est un fait, ça, c'est pas ça que je dis. Ça vous aiderait, je pense, à avoir le fait d'être authentique dans vos ressentis l'un avec l'autre. Oui. Voilà. Dire les choses franchement, souvent, ça aide bien. C'est aussi important qu'elle se sente capable de dire quand elle est trop fatiguée pour venir, par exemple. Je cite cet exemple-là, j'en sais rien s'il est pertinent, hein, mais... Ouais, mais c'est important qu'elle se sente libre de manifester sa souffrance à elle. Tu vas venir tous les jours, je viens... De temps en temps, que le jour, il faut que je le fasse. Et ça. C'est difficile pour elle aussi. C'est important, je voulais. Pense à dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes, parce que tu ne sais pas si tu en auras le temps demain. Si tu prends ton petit déjeuner le matin, ça veut dire que tu as gagné une journée contre le cancer. Oui. On va faire comme ça. Oui. J'ai 61 ans, donc mes cellules se régénèrent moins vite. Oui. C'est déjà un point qui va ralentir l'évolution du cancer. Oui. Mais on sait que ce cancer va me tuer. Oui. Mais
on sera tous tués par quelque chose. Oui. Quoi qu'il advienne, la mort est inéluctable. Bien sûr. Ma seule demande, que tout le monde a, c'est une demande universelle, c'est de mourir sans souffrir. Bien sûr. C'est tout. Moi, je pense pas voir Noël prochain. Hein. Je sais pas si je verrai l'été. J'aimerais bien, mais bon. Ouais. Ça va dépendre, comme m'a dit le médecin, ça dépend ni de vous, ni de moi. Et est-ce que vous pensez à l'éventualité? Parce que là, vous vous sentez soulagé, il y a des choses que vous pouvez retrouver. Est-ce que vous pensez à un endroit autre qu'ici, ou pas? Retrouver un endroit autre qu'ici, oui. Pour vivre? Oui. Seul. Je suis tout seul. Mmh. Être seul chez soi, avec sa souffrance. Petit à petit, on se ferme tout seul. Ouais. Et on s'enferme. Mmh. Et finalement, on se fait plus de mal que de bien. Ouais. M'imaginer seul, non. Non. Je ne pourrais pas. Ok. Voilà. Bonjour madame. Ça va? Bienvenue. On va s'occuper de vous. Ça a été long, le voyage? Non. Transport, non? Quand même, je... Là, vous êtes arrivé, là. Hein? Il n'y a plus de transport. On va s'occuper de vous, non? Allez, calmez-vous. Mmh. Voilà, c'est bien. Respirez bien. Est-ce que vous avez peur? Non. Non. Est-ce que vous avez mal? Non. Non. Qu'est-ce qui vous apaiserait, là? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Voilà, calmez-vous. Tout va bien. Vous êtes en sécurité, ici? Oui. Vous êtes dans un endroit en sécurité? Mamie, les bras se le mettons. Pas sous la gorge à Cupidon, sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Je vais jouer de la musique pour les personnes hospitalisées. Je prends le temps, je prends une demi-heure pour aller jouer un peu pour quelqu'un dont on a l'impression que ça pourrait lui faire du bien. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui aiment la musique, hein, je ne suis pas tout seul. Et donc ça permet aussi d'établir un contact un peu différent du contact médecin-malade ou soignant-soigné habituel. Et il y a un effet d'apaisement. C'est le cadeau du jour. Vous me laissez le pansement. Ah bon? Ah bah c'est bien, tant mieux. La surprise est... vaut un médicament. Un coup de douleur, tant mieux. Vaut beaucoup de choses. Tant mieux. Vous avez tous les atouts pour réconforter, pour soigner les patients, quoi qu'il y ait. Merci, monsieur René. Et non, je remercie énormément. Hein. Je suis ravi que ça vous fasse plaisir. Ah ouais. Là, on est dans un schéma de soins. Dans un schéma de le fait, il le dit lui-même, hein, il le dit lui-même que d'avoir cette opportunité-là, bon, que ce soit une chanson ou un autre truc, enfin, je veux dire, que tout ce que nous pouvons lui apporter est un facteur de guérison important pour lui. Et je crois que c'est évident que c'est vrai. Mes collègues vous ont dit, on a augmenté la morphine ce matin, ouais. Comme vous aviez mal, mais là, vous savez, on fait des sauts de puce, hein, donc il n'y aura probablement pas beaucoup d'effets secondaires de plus, quoi. Ouais. S'il y en a, il faut le dire. Hein. Je vote pas en touche. S'il y en a, il faut nous le dire. On avisera, on fera autrement, on diminuera la dose, on utilisera un autre médicament, enfin, trouvera un système. Il parle plus du tout d'euthanasie, là. Il évoque même plus la sédation profonde. Ça n'émerge pas spontanément. Et la dernière fois que je lui ai posé la question pour savoir où il en était, il disait que c'était pas à l'ordre du jour pour lui. Bonjour, madame Alvarez. J'ai bien dormi. Très bien. J'ai dû mettre une dose de morphine hier soir, parce oui. que j'avais un peu mal. D'accord. J'ai peur de l'appuyer trop, ouais. parce que j'aimerais
m'ai donné juste ce qu'il faut. Ouais. Comme morphine. Mm-hmm. L'idée, c'est que vous ayez pas mal quand même. Hein. Ça vous embête de vous faire de la morphine? Oui, dans le sens où, quand je parle de morphine, autour de moi, tout le monde se méfie. Une espèce de méfiance par rapport aux conséquences de la morphine. D'accord. Pour quelle raison est-ce que vous parlez de méfiance? Attendez, mais je vais aller vous chercher, que... vous chercher un mouchoir, bougez pas. Tenez. Pourquoi est-ce que vous parlez de méfiance? Parce que, au fur et à mesure qu'on augmente la morphine, oui. Ça veut dire qu'on s'approche de la mort. Il y a une corrélation, là, vous voyez? Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ce que vous dites est partiellement vrai seulement. Hein. Alors, bien sûr, hein, quelqu'un dont on voit que les douleurs échappent, dans le cadre d'un cancer, que les douleurs échappent au traitement, c'est souvent parce que la maladie progresse. Hein. Faut pas raconter l'idiotie, c'est vrai. Ceci dit, c'est pas strictement corrélé. Il y a des tas de gens qui ont de la morphine pour des affections qui font pas mourir. Hein. Le mal au dos, par exemple, qui est quand même une cause fréquente d'utilisation de morphine. C'est pas ça, mon cas. Ben non. Moi, c'est plus de morphine, c'est parce qu'il y a plus de douleurs. Oui. Et c'est parce que la mort approche. Vous voyez. Mm-hmm. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que quand je pense l'année dernière que j'avais pas du tout peur de la mort, pour moi c'était naturel, tout le monde va mourir un jour, je peux m'y préparer, c'était ça dans ma tête. Mais aujourd'hui, j'en suis plus là, quoi. Je me pose des questions sur la mort, je m'étais jamais posé des questions. Je pense que la psychologue, vous m'avez pas mal aidé. C'est sûr que votre aide, elle est pour moi indispensable. Les infirmières, elles sont là avec une bienveillance, une espèce de tendresse qu'elles ont, une espèce de... Tous les rituels, elle est d'une douceur. Tout, la voix, le regard, l'écoute qu'elles ont... Une écoute juste, quoi, juste. Vous sentez qu'elles sont avec vous. Et quelque chose qui me fait du bien, c'est parler. Vous disiez que vous avez des questions sur la mort. Oui. Je peux peut-être vous aider à y répondre. Les questions sont là, mais je ne sais pas encore les énoncer. Mais je vais les mettre. Un peu de temps. D'écrire des choses, de... Cette nouvelle situation, la mort, ça va m'arriver. C'est vrai. Après l'entretien que vous avez eu avec la famille, oui. Mon mari et puis les enfants, on discutait avec mon mari, parce que moi, dans ma tête, c'est « je ne veux plus de chimio ». Ça, c'est clair. Je le disais, j'ai l'impression que c'est pour me garder. Envie quelques jours de plus, mais pourquoi faire? Puisque de toute façon, il va y avoir une fin. Madame Alvarez, c'est important que vous soyez consciente que la décision, c'est vous qui la prenez. À la lumière de tous les éléments que vous avez, ce que vous apporte votre famille, ce que nous pouvons vous apporter, ce que peut vous apporter l'oncologue aussi, hein, c'est pas... Mais en dernier ressort, c'est vous qui prenez la décision. C'est assez important. Ça suffit, c'est bon, je vais partir, c'est bon. Il faut qu'ils comprennent que c'est ce qui est le mieux pour eux, pour moi, ma famille. Oui, vos proches, bien sûr. Donc, c'est sûr que c'est moi qui prends la décision ultime, mais il faut que je sente aussi que ma famille m'accorde cette confiance, quoi. Me dire oui. Je n'ai pas la force, en fait. D'accord. De prendre une décision toute seule. Donc, je veux qu'on arrive à un accord ensemble. Ensemble. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, monsieur Brunet. Ouais. Quand vous voulez. Ouais. Une partie qui arrive dedans. Ouais. Okay. Je referme un peu la porte. Ouais. Ouais. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Faites de beaux rêves, madame. Bonne à nuit. Plus tard. Bonsoir, Michel. Je voulais pas vous réveiller. On est le soir, il est 22h30. Isabelle, tu peux venir, s'il te plaît. Ah, désolée. Mais... je reviens, Michel. Je veux bien que tu ailles avec elle. Oula. Vous avez mal quelque part, ailleurs, que la tête? La tête, mais... J'ai fait pour la douleur, madame. C'est en train. Vous avez la main? Oui, je suis là. Je vous donne la main. Je suis là. Détendez-vous. Laissez-vous aller. On est là. On reste près de vous. J'ai réussi à redescendre un petit peu sa tête. Coucou, madame. Il est 23h30. D'accord. Dormez. Il y a toutes les aides thérapeutiques et puis après, il y a nous ce qu'on peut apporter, les câlins, les massages, des fois juste la présence, une main. Quand j'observe ça, j'ai l'impression que vous couchez des enfants en fait. J'aime pas ça. En fait, on fait pareil quand on couche des enfants. Enfin. Et après, on part à pas de velours, comme ça, en fermant la porte doucement. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de fond. Ah oui, de, mais pour oui. Pour rassurer, mais comme un enfant, en fait. Quoi. Ouais. Mais après, on est tous des grands-enfants. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment ou un autre, d'être rassurés, d'être entendus. Y a ça aussi dans l'angoisse. Hop, allez-y, vous pouvez redescendre tout doucement. Ouh. Ça va? Ça va. C'est bon? C'est bon? Ouais. Vous êtes tombé dans le lit là? Ouais. Il n'y a pas eu de douleur? Non. Bon, okay. Super. C'est bon pour vous? Oui. On y va. 1, 2, et soufflez, 3. Monsieur Brunet, respirez. Non, alors soufflez. On va jamais y arriver. Vous avez vu ce que vous avez fait? Vous avez fait ça? Ça s'appelle faire la carpe. Ça s'appelle pas souffler. On ne fait pas que soigner, on ne fait pas que accompagner. En fait, c'est des rencontres. Monsieur Brunet, on le rencontre. C'est un échange, donc on leur apporte, mais eux, ils nous apportent aussi. Et du coup, c'est obligé qu'il y ait des émotions, des sentiments. Moi, l'autre jour, j'ai pleuré au staff de 9h parce que le week-end avait été dur, parce que j'avais besoin de... Enfin, c'est sorti tout seul, hein. Je n'ai pas dit « je vais pleurer au staff », mais du coup, c'est sorti. Et le patient, il n'était pas mort à ce moment-là, mais j'ai... C'était, par exemple, il a été douloureux tout le week-end et ça a été compliqué. Et du coup, il y a... Effectivement, là, je l'ai ramené à la maison et... c'est pas parce qu'il y a un mort que c'est plombé, parce que souvent, en fait, c'est quand il y a un mort, fois, c'est aussi une délivrance. C'est des fois la famille, la prise en charge, en fait, qui, quand elle est compliquée, nous provoque... quand on les sent pas apaisés, pas... C'est pour ça qu'il est compliqué que le fait qu'il meure. On va descendre la main là. Et c'est celle-ci qui va aller chercher la barrière. Super. 1, 2 et 3. Et celui-là un petit peu dessous. On va pousser dans le dos. Ça vaut pas comme ça? Ouais, c'est bon. Et voilà. Vous n'avez plus rien à dire? Pour ce soir, tout est dit? Ouais. Ok. Vous voulez l'oreiller un peu plus en avant ou c'est... C'est bon? Ok. On vous souhaite une bonne nuit, monsieur Brunet. Faites de beaux rêves. Merci. À plus tard. On est couché. Voilà. Tout le monde fait dodo. J'ai eu ce,
30 chichondelles, comme on dit chez nous. Ouais, c'est carrément, ça carrément. Ouais, ouais, voire même plus. Voire même plus, ouais. Bon, bah, tranquille alors, hein. Et vous attendez pas trop longtemps si vous voyez que ça va pas pour nous appeler, hein. D'accord. Allez, à tout à l'heure, monsieur. C'est pas allumé, donc c'est bon. C'est compliqué. Ah bah ouais, et puis entre les tatouages, les machins... Eh ben, on va rester en sous-cul en attendant. Le rendez-vous est pour jeudi, j'ai fait tout le machin. C'est pas là, hein, c'est resté là-bas. Faudra que Domiti appelle le transport. Elle a rendez-vous à 9h30 au 5e étage en Chirambu. Bonjour monsieur. La kiné m'a raconté, elle vous a fait marcher. Alors, juste le temps de m'asseoir, de me lever, mon cercle de vision qui s'est rétréci. Ouais, comme un voile noir un petit peu. Comme un voile ouais. noir, comme un malaise en fait. Ça c'est un petit malaise d'hypotension. Hein. Et là depuis, je suis toujours essoufflé. D'accord. Et je n'arrive pas à récupérer. Ok, ben, ce serait peut-être bien qu'on vous couche. Ce serait peut-être bien. Hein, qu'on vous couche et puis les jambes un petit peu surélevées. On va prendre une tension. Allez, c'est parti. Go. Non, ouais, 11,8. C'est correct. Mais bon. Par contre, ouais, vous le désaturez un petit peu. Ouais, t'as trouvé un deux. On va peut-être mettre un petit peu d'oxygène. Ouais. Une fois que vous serez couché. Je pense que ça peut vous aider. Ouais, ça va m'aider. T'as vu que je prenne quelque chose ? Voilà. Hop là. Ouais, tout doucement. C'est pratique, le bandoulière. Hop là. Tout doux, tout doux. Hop, hop. Là, asseyez-vous. Et voilà. Hop. Hop. Oui, le simple fait de se recoucher peut prendre des allures de marathon. Hein. Vous allez vous allonger, je vais aller chercher l'oxygène. Vous allongez. Hop, attendez, je vais vous aider. Hop. Voilà. J'ai désaturé d'un coup là. Pou 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 pou. Oui. Hop. Ça va aller mieux. T'arrives. Hop. Alors. Yep. Allez. Un petit peu voilà. plus. On va couvrir les jambes. Voilà. Voilà. Puis on va reprendre une satte. Vous allez vous reposer un petit peu. Je vais dormir. Je Là, on se stabilise. Hein ouais. Bon, on est mieux. Décompressé, décompressé. Ça va aller. Allez. Ça, là, je ferme la porte. Bon, d'accord. Je ferme la porte. Une minute. Ici, par le personnel soignant, je me sens aimé. Sentir ça au travers de la relation, parce qu'on est malheureusement toujours dans une relation patient et soignant. Mais il y a eu des moments, du moins, ouais, où psychologiquement je n'allais pas bien, cette barrière est tombée. Oui. J'ai ressenti cette barrière tomber. Et d'un coup, eh bien, l'infirmière qui était là, c'était plus une infirmière. Et presque, il me dit, je suis presque heureux d'être là. Bah, c'est une belle victoire. Mais ouais, pour nous, c'est une belle victoire. J'ai dit, quand vous êtes arrivés, vous étiez dans l'inquiétude, vous arriviez à un nouvel endroit, une nouvelle équipe, une nouvelle personne, vous avez votre histoire de maladie, enfin, cette prise en charge qui a été compliquée aussi pour vous, et là vous arrivez dans un endroit où il me dit vous êtes d'une disponibilité. C'est pas, voilà, notre mission. Il est touchant. Touchant, très touchant. Ça fait du bien. Je pense que je me mentais à moi-même, c'est-à-dire que je m'étais convaincu de ne pas avoir peur de mourir. Ça n'existe pas. On a tous peur de mourir. Quand on sait qu'on va mourir, quand on ne sait pas et que ça vous arrive d'un seul coup, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Mais autrement, ouais. Ouais.
vous endormez avec le téléphone. Ouais. Est-ce que vous voulez manger un petit peu? Rien. Okay. Voilà. I walk the road when I realize my death. The road that knows about my pity little past. I grab one note and put. Comment allez-vous? Je fais comme quelqu'un qui parle un piano quelque là. Ouais. Est-ce que vous êtes contente? Vous savez bien sûr que s'il y a le moindre souci, vous avez votre place ici. Hein. Oui, je sais. On reste là, on reste disponible dans tous les cas. Hein. Oui. Allez, hop. Vous nous avez de bonnes nouvelles? Vous y êtes? 1, 2, 3, yo. Il faut faire la hula aussi. Allez, allez, allez. Au revoir. Au revoir. Madame Chevalier, elle est venue parce qu'elle avait mal au début. Puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait cette difficulté à l'intérieur du couple. Ils avaient besoin de soutien. Et puis en plus, ça a permis à Madame Chevalier de finir de rédiger ses directives anticipées et de nous dire exactement ce qu'elle voulait qu'on fasse pour elle et qu'on... Les directives anticipées, ça permet d'exprimer ce qu'on souhaiterait en termes de soins médicaux si on n'était plus en état de s'exprimer. L'exemple le plus simple et l'exemple le plus connu, c'est les manœuvres de réanimation. Est-ce que vous voulez avoir une réanimation d'arrêt cardiaque si vous faites un arrêt cardiaque? Est-ce que vous voulez avoir une intubation et une mise sous respirateur si jamais vous faites une détresse respiratoire? Est-ce que vous voulez avoir une trachéotomie? Dans le cas de Madame Chevalier, est-ce que vous voulez avoir une alimentation artificielle via une sonde, soit qu'on met dans le nez, soit qu'on met au niveau de l'estomac? Est-ce que vous voulez de l'acharnement thérapeutique? C'est pas toujours de l'acharnement thérapeutique, mais peuvent être vécus par les personnes qui les ont comme étant de l'acharnement thérapeutique. D'accord. Et les directives anticipées servent à tracer cette ligne-là avec la personne avec laquelle on les fait. Je pensais à l'autre jour, une personne frappe à la porte. Oui. Je lui ai entré, normal. Et c'était mon frère aîné. Oui. La colère est en moi après cet homme-là, après ce qu'il a fait. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ouais. Et puis, je lui ai demandé de se barrer. Je lui ai dit, mais direct, quoi. Et que je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. Et que jamais, jamais, il viendra à mes obsèques. Oui. Jamais. Je renie réellement et je rejette totalement ce qu'il a fait. Oui. L'acte. Mais malgré tout, c'est mon frère. Et ça me pose question. Ai-je bien fait de réagir comme ça? Mais mon ressentiment, c'est que c'est... J'ai toujours cette haine envers lui. Oui. Et je trouve dommage que aux portes grand seuil, puisque j'y suis bientôt, je trouve dommage d'avoir toujours cette haine. Oui. Je crois en l'amour. Je crois en l'amour et en l'humain. Je me dis que l'humain a beaucoup de tares, beaucoup. Mais il a aussi de belles choses en lui. Il a eu ce moment où la vie est revenue et où il avait de nouveau le plaisir de prendre un petit déjeuner, de boire un jus de fruits, de manger. On a vu revenir ça chez lui, c'était formidable. Ça a duré un mois. Et puis, voilà, tout d'un coup, il savait que c'était là.
Il a fait la paix avec lui-même, avec les siens, il a pu parler. Et là, il arrivait au terme de ce processus. Il savait qu'il n'aurait pas les forces pour aller beaucoup plus loin. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès est une forme d'anesthésie générale. L'idée, c'est dormir pour ne pas souffrir. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à des personnes qui ont une maladie incurable, qui est à l'occasion de souffrances insupportables, réfractaires au traitement. Et le troisième volet, c'est la mort est proche. Comme on attend que ce soit la maladie qui provoque le décès, comme elle le provoquerait sans médicaments, la situation de sédation peut durer plusieurs jours. Il nous a fait une telle confiance. Il nous a fait une telle confiance de nous confier sa terreur de la mort, son angoisse. Il a vraiment partagé jusqu'au bout. Je pouvais pas, tu sais, partir comme ça. Je lui dis, vous savez, j'ai Monsieur Bruyer, j'ai juste à vous remercier parce que j'ai passé d'excellents moments avec vous. Mmh. On a échangé des choses très très fortes ensemble. Voilà, j'ai voilà nous. Les câlins, comme vous vouliez, vous aviez besoin. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça, il m'a ouvert ses bras. Mmh. Il m'a dit oui, un câlin. Et là, ouais. Il avait besoin d'un câlin. Il avait besoin d'un câlin. Puis toi, peut-être aussi. Ouais, voilà. Puis c'est réconfortant. Puis à la fois, on se dit que notre travail, il est beau, quoi. Bon, moi, ça m'a beaucoup touché, son dessin. Vraiment beaucoup. C'est un patient touchant, particulièrement touchant. C'est ça qu'on le fait. Je pensais que je ne voulais pas le faire. En plus, je m'étais maquillée un peu ce matin. C'était quelqu'un particulièrement intelligent ou instruit et philosophe. En fait, il a été acteur jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous redresser. Maintenant que vous êtes rentrée, on reprend le même mode qu'avant votre séjour à Marlange. Mmh. Moi, je continue de vous voir toutes les deux semaines. Cindy, pareil. Ça vous va toujours ? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, vous diriez que l'humeur, elle est comment ? Ça va. Oui. Ouais. Oui, ça va, elle est moins insupportable. Parce qu'il dit ça, mais lui, comment il est ? Est-ce que ça va ou est-ce que... Ouais. Ça va. Hein ? On peut dire les choses quand même. Hein. Et par exemple, avec vous, elle parle bien. Ouais. Moi, quand je lui ai dit « qu'est-ce que tu veux me dire ?»« Bah, écris, qu'est-ce que tu veux ?»« Ne me force pas avec moi. » »« Oh Dieu, tu me regardes et tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Le jour où je monterai au ciel, tu es là. Et si je me couchais au séjour des morts, je sais que te voilà. Je m'endors, je me réveille et je suis avec toi. Comment vous sentez-vous ? Où est-ce que vous en êtes ? Moi, comment je suis face à la mort, c'est très compliqué parce que face à cette réalité qui est imminente, oui. J'ai eu besoin d'une spiritualité. Oui.
Je ne sais pas où je vais trouver ça, en fait. Je ne sais pas comment je vais le trouver et où. Oui. Je pense toujours qu'il y a quelque chose après. Oui. La réponse pour moi, c'est que nous sommes nature, faisons partie de la nature. Et comme la nature meurt et renaît, je me dis, les jours où je vais partir, en fait, je ne pars pas vraiment. Oui. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui me permet, moi, d'être proche de ma mère, de mon grand-père, etc., de toute ma famille. Oui. Voilà, c'est une réponse un peu simpliste, hein, mais qui m'aide finalement à être prêt de être prêt. Est-ce que vous voulez qu'on monte un peu le chauffage dans votre chambre? Je trouve qu'il y a un petit air frais. Ouais, voilà, tout à fait. When the minute goes by faster than the feet, when the winter passes slowly as the feet, when the face of death is after me spinning, only dreams.